Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est de partir un peu dans le voyage de ce qui se passe sur le plan climatique actuellement. Donc, pour vous dire qui je suis, ça n'a pas une grande importance, mais au moins que vous sachiez ce que je suis, ce que je fais. Donc, je m'appelle Edouard Moin, je suis lorientais. Je suis, en termes de professionnel, donc consultant en développement durable. Donc mon métier, c'est d'intervenir surtout, avant c'était pas des collectivités publiques, pour les accompagner dans la réalisation de ce qu'on appelle un agenda 21, notamment. Et puis avec quelques entreprises sur, dans leur jargon, ce qu'elles appellent, ou ce qu'on a appelé la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et puis j'ai un autre métier, qui est la muséographie de l'environnement, qui s'appelle dans notre, disons, plus précisément, l'interprétation du patrimoine. Et localement, on y reviendra, j'interviens depuis 2006 sur le territoire du Pays d'Orient auprès d'une fondation qui est à Guidel, qui est la fondation Polivia, sur la transformation du domaine de Carvastique. Alors, ce titre, il est un petit peu provocateur. Un glaçon dans le whisky, le changement climatique. Et je vais vous emmener justement dans l'origine de ce titre, qui n'est pas si anecdotique que cela. Alors, un tout petit peu de rappel pour bien resituer les choses. Vous savez que notre Terre, elle tourne autour du Soleil, qu'elle a une inclinaison qui varie entre 23 et 25 degrés, qu'elle tourne sur elle-même, qu'elle ne tourne pas sur un cercle parfait, mais sur une ellipse qui elle-même bouge. Donc ce qui fait qu'au fil des années, il y a des cycles qui font que la Terre est plus ou moins réchauffée. Mais ce qui est important, c'est que si c'était ne serait-ce que comme ça, elle tournerait autour du Soleil, les rayons du Soleil viendraient la frapper, les rayons du Soleil repartiraient, et notre planète serait à moins 18 degrés. Voilà. Donc, ni vous, ni moi ne serions là ce soir. Et tout simplement, nous sommes là, pour vous c'est sans doute un rappel, mais j'utilise toujours cette petite image, parce que nous avons la chance, depuis quelques centaines de millions d'années, d'avoir un bouclier de gaz qui s'est formé autour de la planète, à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est de la vapeur d'eau, c'est du dioxyde de carbone, c'est du protoxyde d'azote, c'est du méthane, c'est de l'ozone. Et ce bouclier, eh bien, en fait, il a pour fonction de retenir une partie, comme dans une serre, des rayonnements qui sont venus frapper la Terre. Et c'est grâce à ce bouclier que nous avons en moyenne, et c'est ce que nous vivons, ou nous vivions jusqu'au 20e, une température moyenne élevée de la planète à plus 15 degrés. Ok ? Alors, ces gaz à effet de serre, le plus important en présence, c'est la vapeur d'eau, 60%. Ensuite, vous avez le dioxyde de carbone pour 26%, vous avez l'ozone pour 8%, vous avez le protoxyde d'azote et le méthane qui sont en faible quantité. Mais vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on est en faible quantité qu'on n'a pas beaucoup d'impact. Alors, c'est gentil, je vous présente des chiffres, je vous présente la présence des gaz, mais comment on sait qu'ils sont là-haut? Eh bien, tout simplement, on le sait parce que dans les années, fin des années 50, 58, la France, avant tout la France, puis après quelques autres, notamment l'Australie, on s'est intéressé avec un monsieur qui s'appelle Paul-Émile Victor, qui a créé l'Institut Polaire, à ce continent antarctique. Et donc on s'est installé, et on a installé au pôle sud des bases scientifiques. Il y en avait deux à l'époque, il y avait Dumont-Durville et Charcot. Ça c'est la nouvelle qui s'appelle Concordia. Et donc, on a étudié la glace présente, on a commencé à vouloir étudier la glace présente
sur cette terre du pôle sud. Et donc, pour l'étudier, eh bien, on a fait des carottes. Donc, vous savez, on a pris une machine, puis on est allé chercher des tubes de glace de plus en plus profondément. Et donc, c'est en 63 qu'un scientifique français qui s'appelle Claude Lorius est toujours vivant, c'est un monsieur qui a 84 ans, accompagné d'un scientifique australien et de toute une équipe technique, ils ont commencé à forer au pôle sud. Et puis, donc voilà ce monsieur Claude Lorius. Et un soir, ils étaient rendus à 300 mètres de profondeur et la machine qui prend la carotte de glace casse. Et là, il faut vous remémorer pour les plus anciens, pour les plus jeunes ça va être compliqué, mais 63, on n'a pas les communications d'aujourd'hui, on est en pleine guerre froide, vous êtes au milieu de l'Antarctique, vous avez quoi avoir le boudon, quoi, parce que votre programme scientifique, il est par terre. Et donc pour les moments compliqués, c'était prévu, il y avait un stock de whisky. Et Claude Lorius coupe un bout de glace des 300 mètres de profondeur et le met dans son whisky. Alors, dans mes métiers, je suis aussi chargé d'enseignement à la faculté à Rennes. Et donc, je dis toujours aux étudiants, il y a trois différences entre Édouard Boin et Claude Lorius. La première, c'est que Claude Lorius est un scientifique. Moi, je ne suis que médiateur scientifique. Mon boulot, c'est de récupérer les données des scientifiques et de les rendre digestes pour le grand public. La deuxième différence, c'est que Claude Lorius n'est pas un amateur de whisky. Je suis un amateur de whisky. Je ne mets jamais un glaçon dans mon whisky. Et la troisième grande différence, c'est que Claude Lorius est un scientifique et que moi je suis un ivrogne. Parce que même avec un glaçon, je bois mon whisky. Claude Lorius, lui, il regarde son whisky. Et il voit son whisky faire des bulles. Et il dit, si mon whisky fait des bulles, c'est qu'il y a du gaz. S'il y a du gaz, peut-être que je vais pouvoir lire ces gaz et les isotopes qui sont présents dedans. Et donc ça, après il boit son whisky, et en fait on est en 63, et on va attendre début des années 70 que les gens du CEA puissent commencer à le faire. Et en fait, c'est grâce à Claude Lorius et puis à tous les gens qui l'ont suivi que l'on connaît l'histoire du climat. Alors, l'histoire du climat avec Claude Lorius remonte à moins de 100 000 ans. Et derrière, ce sont les Russes qui ont monté leur propre base à Vostok. Et donc, ils ont fait une carotte de glace qui va jusqu'au socle sédimentaire du continent antarctique. Elle fait 3 km de cette carotte de glace et elle nous emmène à 800 000 ans. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, en fait, maintenant, on connaît bien cette histoire du couple température CO2. Ça, j'ai pris cet exemple du CO2, mais j'aurais pu faire celle du méthane ou celle du protoxyde d'azote, c'est la même chose. Et donc, excusez-moi, je suis reparti donc de la carotte de Claude Lorius de moins de 100 000 ans. Et si vous regardez, la température moyenne de la Terre, elle a oscillé entre 10 degrés au plus faible et 15 degrés au maximum. Et donc vous avez toujours un rythme de 80 000 ans de descente glaciaire et vous avez une période de 20 à 30 000 ans de période interglaciaire. Donc quand on est à 10 degrés, ce sont les grandes glaciations et la dernière, c'est à rester à peu près 14 000 ans. Ok ? Alors, quand ils ont regardé les isotopes présents, bien ils se sont rendus compte que le CO2, c'est vrai aussi pour le méthane, il oscillait en présence, en unité, à 880 ppmv au minimum, et au maximum, quand on avait 15 degrés, il oscillait à 280, il arrivait à 280 ppmv. Donc ppmv, particules par million en volume. Ok ? Et si j'avais fait la courbe pour remonter aux 800 000 ans avec la carotte de Vostok, c'est la même chose. Donc, simplement, ma courbe n'allait pas tout à fait juste parce que, évidemment,
sur l'échelle des 200 000 ans, là je ne me suis pas arrêté à 2010, je suis arrêté à 1850. Et voilà ce qui s'est passé depuis 1850. Nous sommes, en 2013, passés à 406 ppmv. Donc, assez logiquement, les gens du GIEC, je ne sais pas si pour tout le monde le GIEC, c'est connu, eh bien, depuis qu'ils se sont lancés dans cette recherche en 1987, ils se disent que si, de façon corollaire, on est monté à nouveau de 100 ppmv, on peut penser qu'on va monter à nouveau de 5 degrés. Alors, Allègre et compagnie, maintenant ça y est, on n'entend plus parler, en fait, leur discours c'était de dire, mais est-ce que c'est les gaz qui influent sur la température ou est-ce que c'est la température qui influe sur les gaz? Là, il s'avère que maintenant, comme on n'arrête pas de monter, et qu'on a maintenant un recul, puisqu'une période climatique, c'est 30 années. Non, c'est, on n'est pas sur la météorologie, c'est pas au jour le jour, c'est 30 ans. Et donc, en fait, là, on vient de voir, depuis 1970, là, un changement conséquent, puisqu'on est monté sur les 30 dernières années, de 0,74 degrés. Alors, ces petites bêtes là qui sont dans l'effet de serre, qui sont dans la couche protectrice de l'effet de serre, elles ont une durée de vie. Une molécule de dioxyde de carbone, elle vit 100 ans en moyenne. Celle de méthane, elle est là-haut pour une douzaine d'années. Celle du protoxyde d'azote, elle est là-haut pour 114 ans. Et puis en plus, on a maintenant, nous, créé de nouvelles choses avec notamment la pétrochimie. On a les allocarbures. Qui sont de nouvelles molécules qui arrivent dans la couche de gaz à effet de serre et qui ont une durée de vie qui varie entre 2 et 50 000 ans. Mais elles n'ont pas le même pouvoir réchauffant les unes et les autres. Quand la molécule de dioxyde de carbone a un pouvoir réchauffant de 1, celle de méthane a un pouvoir réchauffant de 25. Et le protoxyde d'azote, 280. Et puis les allocarbures, ça va jusqu'à 10 000. Ce qui fait que si vous vous souvenez, parce que ça a été aussi un des éléments de destruction de la couche du trou d'ozone, c'était les allocarbures et un certain nombre d'autres gaz qui étaient incriminés et sur lesquels il y a eu là une vraie volonté politique dès la fin des années 90. Et les allocarbures sont en train d'être, cette problématique est en train d'être réglée. Alors, un petit graphe rapide pour vous situer ce que l'on envoie au maximum. Donc vous voyez qu'au niveau mondial, on envoie 65% de CO2, du méthane. Le méthane, c'est l'élevage, en grande partie, et la destruction des déchets. Les allocarbures, eh bien, c'est la production de la pétrochimie. Le protoxyde d'azote, on est avec les engrais, et l'ozone, on est là aussi dans la chimie. Et voilà ce que nous envoyons en France. Donc vous voyez qu'on se situe évidemment en tant que pays développé avec plus de CO2 que la moyenne de l'ensemble des États. Et puis avec notre agriculture et ses engrais, en protoxyde d'azote, on est relativement costaud par rapport à la moyenne mondiale. Alors, si vous vous souvenez, on a eu le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto, ben, on faisait un état, en 1990, des émissions d'équivalent dioxyde de carbone et de tonnes de CO2 par habitant. Donc vous voyez que l'Amérique du Nord envoyait à peu près 15,5 tonnes, l'Amérique du Sud 1,7 tonnes, l'Europe 8,6 tonnes, la Russie 14,7 tonnes, la Chine 2, l'Océanie 13,8, l'Afrique 0,9, et que la moyenne mondiale par individu, puisque ça c'est une moyenne mondiale non pas par pays, mais par individu, était de 4 tonnes. Et donc le protocole de Kyoto, c'est-à-dire il faut stopper les émanations au niveau de 1990. Voilà où nous en sommes en 2010. Ce qui fait que l'Amérique du Nord a
globalement un peu baissé, ce sont les États-Unis. Par contre, le Canada, lui, est passé à plus de 17 tonnes. Et si vous avez quelques bribes de mémoire de ce qui s'est passé il y a un an et demi, eh bien le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto pour ne pas avoir à payer les amendes. Alors pourquoi le Canada, d'un seul coup, a augmenté ses émissions en dioxyde de carbone? Eh bien, ce sont les pétroles bitumineux, de l'Alberta notamment. Alors, en 1990, l'équivalent en tonnes de carbone des émissions faites par les Français était de 6 tonnes une. Et nous faisons partie, après on va pouvoir en débattre, mais de ceux qui ont diminué leurs émanations de façon assez conséquente. Depuis 1990. Alors, il y a un certain nombre de facteurs, sur lesquels on peut effectivement s'interroger. Alors, c'est bien gentil de dire, voilà, il faut faire 4 tonnes, c'est quoi? Ça veut dire quoi? J'envoie 4 tonnes par an. Eh bien, 4 tonnes par an, c'est un aller-retour Paris-New York en classe affaires. C'est avec ma petite voiture, tout seul dans ma voiture, dans une année, pour tous mes trajets, 26 000 km si j'ai une voiture qui produit à peu près 150 grammes au kilomètre. Voilà. Alors on y reviendra dans d'autres aspects. Alors si on regarde par secteur d'activité, eh bien les transports sont pour 26% dans les émanations françaises, l'industrie 20%, l'agriculture 19%, l'habitat 19%, la production d'énergie 13% et les déchets 3%. Alors, pour voir un peu ce qui se passe, je vous propose d'aller faire un tour, là non plus au pôle sud mais au pôle nord, et de regarder un travail qui a été fait par un programme européen de recherche qui s'appelle Damoclès, bien nommé, c'est un acronyme plutôt bien trouvé. Il est piloté par un monsieur de la faculté de Jussieu qui s'appelle Jean-Claude Gascard, qui a notamment beaucoup collaboré avec le bateau Tara. Et donc, ils avaient, ça c'est la cartographie de la banquise d'été entre 73 et 76. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y avait. Ensuite, ça, c'est la cartographie de 99-2002. Donc, ça avait été vu, notamment par les satellites, et aussi la coopération des sous-marins de l'armée américaine. Alors là, c'est une projection. 2010-2030, qui disait, ben voilà, la banquise en 2010-2030, elle devrait, l'été, avoir à peu près cette superficie. En 2040-2060. Et puis, pour la fin du siècle, 2090. Alors, si vous vous souvenez, 2040-2060, c'est ça. Et en fait, c'est exactement ce que Tara a ramené de son expédition de 2007 comme superficie. Et là, je peux vous dire que ça a commencé à jeter le trouble. Puisque là, on n'était plus pour la deuxième partie de ce siècle, mais c'est la dérive de Tara en 2007. Elle a apporté ces informations comme quoi ben, on était là à peu près avec une bonne cinquantaine d'années en avance. Et donc aujourd'hui, ils sont assez certains de nous dire que pour 2020-2030, nous pourrions ne plus avoir de banquise d'été au pôle Nord. Alors, ça peut paraître désastreux, si vous êtes armateur et que vous avez des gros cargos à faire passer de la Chine à Rotterdam, c'est drôlement intéressant. Et l'an dernier, il en est passé une petite trentaine. Si vous appelez M. Poutine, vous vous dites que vous libérez actuellement de grands champs gaziers et pétroliers là-haut.
Et donc, c'est pas inintéressant d'aller mettre son drapeau, ce qui est fait, au fond de l'océan Arctique, pour dire que ça m'appartient. Si vous êtes chinois, vous arrivez avec des grosses valises de dollars et vous les remettez aux communautés inuites pour qu'ils vous concèdent pour 99 ans les terres qui leur appartiennent pour aller chercher du minerai. Il y a 4000 à 5000 Chinois qui travaillent actuellement au Groenland. Alors, peut-être que avec toutes ces informations, vous vous dites, bon, bah, c'est gentil, mais c'est quand même pas très scientifique tout ça. Alors moi, je vais vous amener une preuve scientifique du réchauffement climatique.